اعضای محترم انجمن و انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. Association Culture Libre, je souhaite la bienvenue. Comme vous savez, et j'ai répété à chaque conférence, cette association Culture Libre est une association apolitique, culturelle, avec le but non lucratif et non religieux. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter professeur Iraje Ganjbakhsh. Monsieur Ganjbakhsh est un cardiologue mondialement connu. Et nous sommes très très fiers de lui parce que vraiment son travail est au-delà de la médecine. Pour moi, c'est un miracle. Avant la conférence de M. Ganjbakhsh, j'ai l'honneur aussi de vous présenter Madame Binjoufare Riahi. Nous allons avoir une interprétation d'opéra d'abord. Je suis vraiment honorée que vous ayez accepté l'invitation de l'association. Brièvement, je voudrais lire une présentation de Madame Niloufar Eriyahi. Madame Eriyahi, après avoir fait des études doctorales en ethnologie et travaillé au CNRS, elle a commencé à s'adonner une passion en sommeil, le chant en général et le chant lyrique en particulier. Ainsi, depuis une dizaine d'années, elle prend des cours auprès d'André Guillaume et de Joël Brune-Coste. Elle a chanté des œuvres de compositeurs variés, Puccini, Campra, Fauré, Handel, Schubert, Mozart, Catalani, mais aussi des mélodies notamment persanes. Ce soir, elle va interpréter l'air de O mio bambino caro de l'opéra Puccini 1918. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'association. Je vous invite à venir. Je vais juste vous présenter un petit peu l'histoire. C'est une jeune femme qui supplie son père de la laisser se marier avec son amour. Et effectivement, elle va dire, si tu ne me laisses pas, je vais acheter effectivement mon anneau. Et si tu ne me laisses pas, donc je vais me jeter sur l'Arnon, donc qui est la rivière qui est donc en Florence. Voilà. Donc un petit peu l'histoire. Oh no!
vraiment chanter.